Naf, t'as goûté? C'est comment? C'est pas bon. C'est pas bon, mais tu manges. Retour de course pour la semaine. J'ai dépensé en tout 70 euros et j'ai été à U, à Grand Frais et au Leclerc. Grand Frais, j'ai été agréablement surprise. Je ne savais pas qu'ils vendaient ces genres de bananes. Hyper moins cher en plus. Et puis, j'ai eu des dorades grises à 2,50 € la baquette. Ça en date courte au fait. Donc, c'est moins qu'au 26 et on est le 23. À U, j'aime trop le pâte à tartiner. Donc, je vais à U uniquement que pour ça. Et puis également le mousseline que j'aime bien. Et tout le reste, sinon, je l'ai pris au Leclerc. Comme vous savez, je fais mes courses maintenant au Leclerc. Donc, pâte à pizza, c'est vraiment l'immanquable dans mon frigo, dans mon réfrigérateur. Les lardons également, crème fraîche, le jambon, des saucisses. En gros, ce que je compte faire cette semaine, c'est que comme c'est les vacances et qu'il y a les enfants à la maison, je fais des petites recettes sans me prendre la tête du style croque-monsieur, hot dog, vraiment des choses sans prise de tête. Et puis, bah, bien évidemment, j'ai pris du pop-corn. Colorés, j'espère que vous allez bien. On est mardi 24 octobre, même si j'ai l'impression qu'on est mercredi parce qu'il y a les loulous à la maison. Je viens de me laver les cheveux parce que dans pas longtemps, j'ai une copine qui arrive pour me faire des tresses. J'ai fait mon shampoing déjà. J'ai utilisé le Coach des enfants. Donc, c'est-à-dire, c'est un produit 3 en 1. J'ai pas besoin de faire shampoing après shampoing, masque, bref. Je n'utilise que ça et après je sors de la douche, c'est tellement rapide. Donc, j'ai laissé mes cheveux en section et il est déjà 11h34. Je vais faire à manger. J'ai fait des courses
En me basant sur des plats qui sont très simples, rapides et tout. Parce que les enfants sont assez bizarres. On se prend la tête, on fait des plats vraiment élaborés et tout. Mais l'enfant ne mange pas grand-chose. Et tu as fait quelque chose de très, très simple, l'enfant va manger. Donc, ce midi, je vais faire des croque-monsieur. Where
then you'd be happier than you or me could ever dream. I disagree. Cause you and I, we've come so far since laughing like we are on the bar. Coucou mes colorés, il est déjà 8h30. Je viens de faire un gâteau au yaourt pour les loulous. J'aurais aimé faire à la suite des pancakes parce que j'ai des bananes qui sont très très mûres au frigo. Mais j'ai peur d'être en retard parce que ce matin, je vais en prestation. Voilà, je vais faire les cheveux d'un petit gars. Donc, il faut que je me dépêche vu que ce n'est pas à Nantes, c'est à Saint-Nazaire. Comme je vous ai dit, j'ai lancé Textured et du coup, je me déplace à 1 heure de Nantes maximum pour faire des soins capillaires. Sinon, je fais aussi des coachings en ligne pour aider à créer des routines pour des enfants, des pré-ados, des ados. Voilà. Donc, ce matin, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va aller à Saint-Nazaire et on va faire les soins de ce petit gars. Après Saint-Nazaire, je pars chez une copine avec les enfants. So far since laughing like we are on the bar and being asked to leave as they put out the sugar for the morning coffee. No, we're not meant to sleep alone. I'll call your name out till you fall and tell me one more time. You're not coming home. You're not coming home. Cause your home seems to move every time you come near. And right now it seems so far from here. I think I might have disappeared. And then I felt it coming weather. Re-coucou, je vous ai pas parlé depuis hier. On est jeudi 26. Je rentre à peine de chez ma copine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer le feu pour chauffer un peu la maison. Donc voilà. Et je vais passer direct en cuisine. Je pense que pour les loulous, ce soir, je vais faire des hot dogs. Ça va aller plus vite.
Mange oh, déjà. Regarde, maman. Que... Alors, c'est comment? C'est délicieux. Nat, t'as goûté? C'est comment? Et si je pas dit deux, c'est pas bon. C'est pas bon? Ce qu'il a fait, c'est pas bon. Je n'aime pas. C'est pas bon, mais tu manges. Et toi, Nami, t'as goûté? C'est comment? Moyen. C'est moyen. Je n'aime pas trop les poivrons. Oui, mais toi, tu n'aimes pas les légumes. Donc, si moi, j'aime bien les la réniche ne te plaît pas, non, ça. Non, 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 c'est ça que j'aime pas. Oui, mais il y a des poivrons dans la réniche. Moi, j'aime bien le poivron. J'aime bien tout. J'aime okay. bien tout, 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 tout. Super. Ok, bon appétit. Ça pique. Il n'y a rien qui pique dedans. Il n'y a rien qui pique. Il n'y a rien qui pique. Coucou mes colorés. On est vendredi. Il est déjà 11h50. Est-ce qu'on parle de ce maquillage? Oh là là. Des fois, je m'étonne. Je me dis, waouh, Kiki. Mais qui fait ce mec comme c'est toi, t'es sûr? Ah, je l'aime trop. Trop, trop, trop. Et comme d'hab, je passe une base très, très nude. Histoire de quand même me reconnaître. J'aime pas faire des maquillages où je me reconnais pas du tout. Alors, ce matin, au programme, qu'est-ce qu'on fait? On est invité par la maman, ou du moins les parents, d'un copain Naomi. Donc, la maman est japonaise et elle veut nous faire découvrir la cuisine japonaise. Donc, je vous emmène avec moi. Je lui ai déjà dit que si je viens, j'aimerais filmer. Est-ce que ça la dérange? Si elle me disait oui, j'allais pas filmer. Elle m'a dit non, ça ne la dérange pas puisque dans tous les cas, elle me suit. Elle sait que je filme aussi. Donc, on va essayer de voir ce qu'on va manger ce midi, on va dire. Je ne vous ai même pas montré, non mais, les tresses en fait. Je ne vous ai pas montré les tresses. Le mardi, j'ai fini très tard. Mercredi, j'étais occupée. Jeudi, je suis rentrée à la maison, capote. Je ne vous ai pas montré ces belles tresses. Attendez, attendez, un peu de respect pour les tresses. Attendez, je vais, je ne sais pas si vous verrez, mais je vais déplacer un peu mon miroir. Et ça que vous puissiez voir, regardez-moi, la longueur, s'il vous plaît. Trop, trop bien. Bon, quand on va aux toilettes, par contre, c'est pas top parce que on a vite fait pipi et on a les mèches qui dérangent. Mais franchement, c'est trop bien. Et sa main ne fait pas mal du tout. C'est juste trop beau. Trop beau. Voilà. Voilà. Donc, après, c'est simple comme ça. Oh, là, c'est trop clair. Enfin bref, donc je vais vous montrer un peu mon outfit. Donc ça, c'est un top blanc. Vous savez que ma couleur, après l'une de mes couleurs favorites, c'est le blanc. Franchement, si je pouvais porter que du blanc, c'est ce que j'allais faire. J'allais porter que du blanc. Ma seconde couleur préférée, c'est le marron, le beige, voilà. Donc ça, c'est un top que j'ai pris sur Asos. Et à cela, j'ai associé mon pantalon blanc que vous connaissez déjà. C'est le seul qui me va tellement bien, qui fait baggy sans trop en faire et qui fait classe sans trop en faire. Donc, c'est un pantalon que j'aime énormément. Mon seul pantalon blanc qui me plaît vraiment. Donc, voilà. Et puis, j'ai mis mes vieilles baskets blanches au pied. Donc, franchement, j'aime trop le look. Oh, il me va trop bien, ce look. ça va? Du coup, en fait, on va faire dans un bol, on va mettre du riz et okay. On va mettre une sauce et on va couvrir avec l'œuf. D'accord. Et c'est sucré. Normalement, les enfants aiment. J'ai jamais eu quelqu'un qui déteste ça. Okay. On va essayer. Et qu'est-ce que vous mangez d'habitude? À la maison? Oui. On essaie de mixer, au fait. Oui. Tantôt, ils vont manger ivoirien. Oui. Et la plupart des temps, ça sera français. Mais quand je dis français, c'est même pas vraiment français parce qu'en soi, étant donné que moi, je suis seule avec les enfants, oui. Je me fais des cuisines simples, oui. Rapides, tac, oui, tac, sûr. Tac. Donc, je vais sur Pinterest, au fait. Oui. Je vais sur Pinterest. Donc, par exemple, hier, tu sais, je leur ai fait quoi? Je leur ai fait des hot dogs à l'américaine. Ah ouais, c'est tout. Ouais, j'ai fait des hot dogs à l'américaine. Bon. Le mardi, j'avais fait des croque-monsieur au four. Donc, ça dépend. Mais en général, je fais en sorte qu'ils puissent aimer leurs deux origines. Oui, oui. Donc, si on va par exemple chez ma mère, oui. Mes enfants vont manger tout ce que maman va leur proposer. Oui. Si on va chez ma belle-mère, là, tu vois, dans quelques jours, la semaine prochaine, je vais chez ma belle-mère.
bah, tout ce qu'on va leur proposer, que ce soit du fromage, peu importe ce que c'est, oui. Ils vont manger. Moi, je me dis, on découvre en fait sa culture, on découvre le monde à travers la nourriture, tu vois. C'est bien. Tu vois, maman, t'as un truc qui fait cette forme. Tu mets la pâte à mouler et après tu mets le bâton. Alors, c'est trop marrant parce que à la maison on aura des cuillères et là on a des baguettes. Et moi je sais pas manger avec la baguette là. Maman aussi. Ouf, qu'il y en a deux. Donc, il faut mettre le pouce sur le truc vert. Ouais. Ensuite, le majeur un petit peu entre les deux et lui. Ouais. L'index, il vient ici, se poser, et... Ah, d'accord. Ah, c'est trop bien. Goma, viens. Allez, oh, non, goma. Ok, donc ça s'appelle le goma aré. Et c'est des épinards et... Des graines de sésame. Des graines de sésame. Mais maman, la façon qu'il a dit, maman, j'ai pas compris. Oui, parce qu'il a parlé japonais. Bah dis donc, vous mangez les légumes et tout. Re-coucou mes colorés. Alors, on est rentré à la maison et du coup, j'ai reçu un colis, c'est un gifting. Donc, c'est-à-dire qu'on m'offre le produit, on ne s'attend pas à ce que j'en passe, je suis pas obligée d'en parler. Mais en général, je me dis c'est une très belle attention. Donc, quand quelqu'un m'offre quelque chose, la moindre des choses, c'est de vous montrer ce que j'ai reçu et tout. Donc, j'ai reçu des produits de la marque Elgidium. Voilà, de la marque Elgidium. Donc, c'est tout ce qui est dentifrice, soins dentaires. Bon, mes colorés, je pense que je vais vous laisser là pour le vlog parce que j'ai tout un montage à faire. Comme je vous ai dit, j'ai pas pris d'avance, donc je fais le montage vendredi, samedi pour que ça soit en ligne dimanche. Et du coup, c'est énormément de temps, donc je vais pas filmer davantage. Je vais m'arrêter là pour que vous puissiez avoir la vidéo prête, complète, tout le dimanche et à l'heure surtout. Parce que ces temps-ci, j'ai posté très tard. Au lieu de poster à 16h30, j'ai posté toujours vers 20h, 20h30, 21h. Donc là, cette fois-ci, j'aimerais que la vidéo soit prête pour vous à 16h30. Donc, ça sera la fin du vlog. J'espère que passer... Alors, attendez.
J'espère que passer la semaine avec moi, je sais pas pourquoi est-ce que la luminosité est bizarre, mais bon. J'espère que passer la semaine avec moi a été top pour vous et que vous avez apprécié les moments les plus simples que je vous ai partagés et les petites recettes. Il n'y a rien de fou cette semaine, mais bon, je ne fais pas de recettes ou des vidéos, je fais des recettes que je vais vraiment manger. Du coup, cette semaine, je vous ai présenté ce qu'on a vraiment mangé et puis bah voilà quoi. Donc, j'espère que la vidéo, les recettes, bref, les quelques moments de joie vous ont fait du bien. Je parle très peu de politique. Je ne parle quasiment jamais de politique sur mes réseaux sociaux, avec mon mari, mes proches. Je ne me compte pas dans des débats et tout. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'humanité ne va pas bien et que c'est désolant. Donc, j'espère à mon échelle vous apporter de la bonne humeur. J'espère à mon échelle vous créer une échappée, une parenthèse agréable en regardant mes vidéos. Non pas parce que je choisis d'ignorer que rien ne va, et juste parce que je me dis dans le milieu, comment dire en anglais, in the midst of everything that is going bad, there is still hope. Vous voyez, il y a quand même de l'espoir dans le brouillard obscur, en fait. Donc c'est la raison pour laquelle je maintiens mes vlogs et que je m'abstiens de parler de l'actualité, parce que je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Il y a déjà assez de chaînes qui le font, assez de personnes qui le font. Donc, bref, sachez que vos commentaires, vos likes, vos abonnements me font vraiment du bien et m'encouragent à rester moi-même et à continuer à vous donner du contenu. Donc, merci à tous ceux qui prennent la peine de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de pourquoi pas même partager mon vlog en story et tout. Voilà, merci. Merci pour votre soutien. Et on se retrouve la semaine prochaine. Du coup, comme la semaine prochaine... Aïe, j'ai mal au bras. Comme la semaine prochaine, ça sera la dernière semaine du mois, je pense qu'on va se faire un monthly reset. Donc, planifier le mois de novembre, faire du ménage, bref, rentrer dans un nouveau mois. Voilà. Donc, je vous fais de très, 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 très gros bisous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Des bisous. Yeah, yeah, yeah. Black diamond on the beat. I was nobody. You made me somebody. You deserve the glory. All the blessings you give me. She ran up on me, so me, yeah, me, yo. I said, I said, what?